Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur les leçons de Tawhid. Leçon numéro 3. Les implications de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah. Les implications de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah sont. Délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et c'est ce qu'indique la négation, la ilaha. Il n'y a de divinité, donc digne d'adoration. Il y a aussi, et adorer Allah, seul, sans aucun associé, et c'est ce qu'indique l'affirmation, il est Allah, qu'Allah. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Verset tiré de la sourate Al-Isra, verset 23. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Sourate An-Nisa, verset 36.